Please go ahead. I'm sorry, I didn't hear anything from you. So are we ready to start? I don't hear anything from you, but I'm assuming that you can hear me. Yes, we are. Okay. We're ready. So, hello, everybody. And I'm sorry that I couldn't be with you there in France today, but I'm happy to have the opportunity to speak to you, at least remotely. So my name is Robin Rigg. I'm the chairman and a project manager of the Slovak Wildlife Society. And currently I'm also a doctoral researcher at the University of Ljubljana. I've been working on wolf-related issues in Slovakia for more than 25 years. I'm a member of the large carnivore advisory groups for both the Ministry of the Environment and the Ministry of Agriculture in Slovakia. And my co-author today is Jozef Bučko, who is director of the National Forest Center, the Institute for Forest Resources and Information in Zvolen, Slovakia. And Jozef is also a member of the Ministry of Agriculture's working group, which advises on wolf hunting management. So I'd like to begin the presentation by giving you a little background information to set the context of the current situation. So historically, in Slovakia, as in many other parts of Europe and elsewhere, the wolf was persecuted as vermin with the intention of exterminating it. It was almost eradicated in the 1960s, but never completely. And then legal protections beginning in 1975 have enabled a natural population recovery. But there are various ongoing conflicts in relation to management and conservation that I will go on to speak about in the rest of my presentation. Just like to point out in the graph here, this is a graph of total numbers of wolves in Slovakia based on reports from hunters. But the absolute numbers are wrong, and I will explain to you why later. But it shows you the picture of this recovery of the population. So this is the same graph, just moved up a bit. So this is the recovery of wolves since legal protection began in the 1970s. And I'm going to add to it number of wolves which are shot. If you notice, the scale is completely different. But again, I just want to show you the trends and to point out some kind of milestones or key events and changes in legislation and policy. So as already mentioned, 1975 was the first time that wolves received some partial legal protection. So that meant that the most destructive practices, so poisoning, trapping, and removing pups from dens were banned. And also a closed season was introduced. So there was no hunting permitted from the 1st of March until 16th of September. And this closed season was extended later. And these measures, together with also increases in numbers of wild prey and an expansion of forest cover, so allowed wolves to recover and recolonize some of their former range. Then we have another significant event in 1994. So this is when Slovakia signed the Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. But at the time of signing, the Slovak Republic made a reservation from Appendix 2 on strict protection, arguing that the present level, here I'm quoting, the present level of their population in the Slovak Republic permits the regulation of their numbers, so meaning hunting effectively, without detriment to their survival and to the functions of these species in the natural ecosystems. So wolf hunting continued, as you see on the lower graph, and in fact, it reached a peak
the year after signing of the Bern Convention, when 157 wolves were reported shot. Next, Slovakia became a member state of the European Union in 2004. So, of course, had to abide by European legislation and implement European legislation, international legislation, and this includes the Habitats Directive. But again, on joining, Slovakia took the opportunity to list the wolf in Appendix 5 rather than Appendix 4. Appendix 5 is less strict protection than Appendix 4, and it does allow hunting without the need for derogations if it is compatible with maintaining the population at a favorable conservation status. So again, as you can see in the lower graph, or even following this, hunting continued. And in fact, in the period from 2003 to 2009, an average of around 100 wolves were shot per year. Now, up until then, there hadn't actually been any cap on the overall numbers of wolves that could be shot in Slovakia. Quotas were set for the first time beginning from 2009, but the quotas were set actually higher than the actual number of wolves that had usually been shot in preceding years. So from 2009, the annual quotas were set between 120 and 150 wolves, and these were usually filled or in some cases even exceeded. And environmental groups who had been protesting and complaining against wolf hunting since the 1990s and even before claimed that this high level of hunting, in their view, threatened to exterminate the wolf. These complaints were sent to the European Commission from environmental NGOs within Slovakia and also from neighboring states sharing the population. So NGOs in neighboring states and governments of neighboring states. And this resulted in an infringement procedure being opened by the Commission in 2013. That resulted in several changes, some of them immediate and some in the following years. So quotas didn't end, but they were immediately reduced by approximately 40% compared to preceding years. And as several stricter rules were introduced on how, where and when wolf hunting could be conducted. And those stricter rules reduced hunter success. So these new smaller quotas were not filled. And then, as you can see, there was a big drop off in the numbers of wolves being reported shot to an average of around 40 following that infringement procedure. Another major change which occurred as a result of that intervention by the Commission was that a working group was set up by the State Nature Conservancy, but including representatives of all key interest groups. So from hunting community, wildlife managers, representatives of farming, livestock breeders, state nature conservation authorities, and also environmental groups and researchers. And they were given the task of preparing a national wolf management plan, which until this point had been missing in Slovakia. There had been some previous attempts to write management plans collectively, but they had failed. Basically, the working groups just split along the lines of for versus against hunting and just failed to reach agreement and sign off a plan. But this time, perhaps under the pressure of the infringement, the attention of the Commission, so the working group
saw its efforts through to completion, let's say, and Slovakia's first national wolf management plan was completed. It's called the Program of Care of the Wolf in Slovakia. It was signed off by all sides and adopted by the Ministry of the Environment in 2016. In connection with that, a participatory process for managing or overseeing the management of wolf hunting was established by the Ministry of Agriculture. So this involved the setting up of another working group, an advisory working group, which subsequently met and still meets annually in October to discuss and make recommendations on wolf hunting in the next hunting season. And again, that includes representatives from all key stakeholders and interest groups, essentially the same as I mentioned before. So hunters, wildlife managers, livestock farmers, environmentalists, conservationists, and so on. Now, part of the conflicts and dispute that led to this infringement procedure were about disagreement over how many wolves there are in Slovakia. And I'll talk more about that later. But to address that, the commission also funded around the same time as the process was going on, a pilot action to demonstrate state-of-the-art approaches to population monitoring involving stakeholder participation. And subsequently to that, so with the signing off of the management plan, that national management plan also prescribed improved methods and systems for conducting national monitoring. So the commission was apparently satisfied by all of those changes, some of them already implemented or implemented immediately, and some of them set up and in process, and concluded that those steps should help maintain the favorable conservation status of the wolf, the species in Slovakia, as well as in neighboring countries. And so it closed its infringement procedure in 2016. I would say as a participant that those new working groups and procedures were working reasonably well, not perfectly, but fairly well. And the quotas that were set subsequently continued to have an overall downward trend, as you see on this bottom graph, and a record low quota of 35 was set in the hunting season of 2019-2020. But nevertheless, within 2 to 3 years, environmental groups started or renewed their calls for an end to wolf hunting. There was a change in national government in 2020, and the new administration, state administration, actually joined the calls of the environmental groups for setting zero quotas, so ending hunting. They held various protests and petitions and so on, quite a heavy media campaign against wolf hunting. In their turn, so hunters and livestock breeders staged counter protests, but nevertheless in 2021 the environment minister signed a decree which added the wolf to the list of fully protected species in Slovakia. And in the two hunting seasons since then, so last winter and this winter now, no hunting quotas were set. So effectively the wolf is fully protected now. This is just showing that decline in the level of hunting quotas, that's the red line, the actual numbers of shot wolves, as you can see, that's dropped down even further, and in blue is other causes of mortality. Now, the big change was the EU infringement process in 2013. So I'd like to then talk a bit more about monitoring. As I mentioned, this has been part of the
disagreement and conflict. What is the status of wolves in Slovakia? So again, this is the same chart I've already showed you a couple of times. It's based on official game statistics. So these are compiled by the National Forest Center based on reports of hunters in individual hunting grounds. They're simply summed together. So while the reporting of hunters locally may well reflect reality of how many wolves they see in their hunting ground, the problem is that wolves move over a much bigger area than a typical human hunting ground, and therefore they get counted several times. So when all these reports are summed together, it makes a substantial overestimate. But nevertheless, they give some indication of the population trend. I'm confident the population is growing, as those figures show. And also, they allow a map to be produced of areas with wolf presence. And that also gives some indication of the population trend. So if you compare where wolves were reported in 2000 compared to 2021, we see quite a substantial increase in the range. Actually, it's around about a 48% increase in range. So how can we obtain more reliable estimates of those numbers? So for several years, we've been running independent monitoring in a region of northern Slovakia called Liptov. And this actually came out of the pilot action funded by the commission that I mentioned earlier. So the environment looks something like this. So it's a mountainous area, quite a lot of forest cover. So around 2,000 square kilometers, so it's approximately 10% of the current range of wolves in Slovakia. The design of the monitoring is based on a core of experts plus trained volunteers, or can call them citizen scientists. And it's funded through crowdfunding, so volunteer contributions, donations, et cetera, partly from necessity and partly to ensure that it's, as I say, it's independent and therefore unbiased. We use non-invasive methods. So it's based on sort of traditional tracking in snow while we still have snow. And this facilitates collection of samples, which are subsequently analyzed in the lab, allowing genotyping or genetic fingerprinting of individuals. And we can then use that for mark recapture modeling to estimate population size, numbers of individuals, population size, and other parameters and variables. So just to give you a sort of view of this is the study area. So it's in northern Slovakia, as I mentioned. These are accumulated results from several seasons. The lines are linking the same individuals and indicating some relationships. Crosses are shot wolves. Just to give you a summary of the results, so the key results. So you see here it's from five monitoring seasons, capture mark recapture CMR for this region of Liptov. So taking the midpoint of the estimates, of course, there's some confidence intervals around the estimate. This is the midpoint of the estimate. So the first year we had an estimate was 2016, when it was 49 wolves in the region. And then, as you see, it's stable or possibly slightly increasing up to 58 in 2020. Now, if we compare those estimates for the Liptov region with the thumbed hunters reports for the same region, then we can see that there's a big difference. But the size of the difference is quite consistent. So it's just over the summing of the hunters reports is approximately five times larger than the results from genetic capture. And we can then use that to extrapolate cautiously to the national level to get a much rougher estimate, but at least a ballpark estimate of how many wolves there
we suppose there realistically could be in Slovakia. So if we look at those compiled, summed Hunter's reports for the whole country, so that's the line that I showed you at the beginning of the presentation. So by the year 2020, that had exceeded 3,000 wolves. But then if we've got this correction factor, so we'd suppose that's approximately 5 times overestimated. So then if we adjust that figure down by 5, by a factor of 5, then there realistically could be approximately 600 wolves in Slovakia in the year 2020. Then there are some other systems of monitoring. Damage is monitored, as I'll talk about later, but I'll just mention briefly another system set up after the EU's infringement intervention is based on monitoring wolf reproduction. So again, the National Forest Centre administers and analyzes this. So they have an app where you registered users, mostly hunters and foresters, but also some other groups and individuals can report their sightings of wolf pups or other evidence of reproduction. And this is then compiled. And for 2022, so this year, produced an estimate of around 85 reproductive pairs or packs in Slovakia. So now, going on to talk a bit more about damage to livestock. So really, this is, although I haven't mentioned it so much, this is really underpinning this history of persecution of wolves in Slovakia as elsewhere, and also these disputes in more recent times about hunting. So there's one view that hunting is essential to control wolf numbers and thereby damage to livestock, which in recent times has been countered by many environmentalists, some researchers, that says that that's not effective at reducing damage. So some comments to this. First of all, just point out that in Slovakia, diet studies have shown that by far the most common prey item of wolves are wild animals. So especially red deer, roe deer, and wild boar. They together compose over 90% of what wolves are eating in Slovakia. But they do occasionally prey on livestock. It's most often sheep. Slovakia has a tradition of grazing sheep in the mountain areas. This is common throughout the Carpathians. So we can say that actually the majority of sheep in Slovakia are in areas with wolves, but nevertheless, less than 1% of available sheep are killed per year by wolves. And the damage is very unevenly distributed. So some farms are not affected at all or very little, whereas 80% of losses are focused on approximately 12% of the sheep farms. And those heavily affected farms we see are affected year on year, you know? So it's consistent across years. And in many cases, they have predation by bears as well as wolves. So there seems to be some local issue at those farms. And sometimes there are cases where wolves kill far more livestock than they can eat in one sitting. So it's called surplus killing. And these are relatively rare events, but a few of them do happen each year. And that can account for a high percentage, a high proportion of the overall losses. And this unevenness that I've mentioned, or in the levels of damage between farms, is highly influenced by the husbandry that's used, and in some cases, maybe the location of the farm, but also the use of prevention measures.
I also just wanted to mention, to set this in context, that wolves cause far less economic damage than do deer and wild boar, or at least in Slovakia. So on this chart, you see on the left, this is approximate. It's a little bit tricky, actually, in Slovakia, doing long-term comparisons of damage levels, because compensation has only been paid for wolves since 2003, and there have been various changes over the years. But until recently, the total of compensation payments for livestock to damage was in the order of 40,000-50,000 euros per year. So you have that on the left. Whereas if we look at the damage caused by deer and wild boar in agriculture, it's far higher. And that's here, even 20 times higher. And then if we add in additional damage in forest stands, so browsing young trees and bark and so on, then the ungulate damage increases again. And in fact, as we see, if we look overall at the recovery of wolves and increases in their numbers, it seems to be very closely following increases in red deer in Slovakia. But those increases in wolf numbers don't necessarily translate into more livestock killed. There is some trend in the total payments of compensation. But of course, prices change over time, especially currently. And if we look at the actual numbers of livestock killed, then over a protracted period of time, there was little, if any, change visible there. That's the blue line on the right. So, but nevertheless, this damage does affect some farms substantially. So how can we mitigate that? How can it be mitigated? Well, as I mentioned, in Slovakia, compensation has been paid by the state since around 2002-2003. Until 2021, it was only the market value, so replacement value of the killed or injured animals, but so not including any lost milk production and so on, but that has now changed recently. For compensation to be paid, it has to be reported according to set of criteria, and which is followed by a site inspection to verify that damage occurred and that there is evidence that it was caused by wolves or other listed protected species. And the payment of compensation is, at least theoretically or according to the law, conditional on the use of what's termed appropriate preventive measures. But in practice, this has been not very strictly enforced, I would say. A lot of farms have livestock guarding dogs, as you see in the picture here, but the traditional use of them was lost largely during communist times, and in many cases they're just kept chained up somewhere near the sheep, so they're not able to work actively. More recently, some farmers have started using electric fences, but they're not always constructed in a predator-proof way. Now, often the electric fence is just intended to keep the sheep or the cows inside rather than the wolves outside. But as I say, until recently, this has been largely tolerated and compensation was paid anyway. There's no state support been, or even using EU funds and so on, regional development funds, life projects and so on. There's been no support provided to farmers for the implementation of prevention measures. From 2023, so 1st of January coming up, the rules for how these preventive measures are to be implemented will become much stricter. So I mentioned there's been little state support for implementing prevention measures, but there have been some NGO projects, including our own organization, which have tried to work with farmers to help them protect their livestock. So if I give you an example here from a few years ago, I'm sorry I didn't translate this, but basically this is a project where we donated pups of livestock guarding dog breeds to sheep owners and shepherds and worked with them
to raise them together with the stock so that they would be free ranging amongst the flock rather than chained up. So as you see on the picture on the right. And then we can, and once they were over 1 year old, so still relatively young, we then compared the losses that shepherds and sheep owners reported at flocks with those dogs compared to neighboring flocks in the same region, which either didn't have dogs or they had their dogs on chains. And what we found was losses at flocks without livestock guarding dogs or chained up or with chained up livestock guarding dogs were far higher than the flocks where we had donated dogs, which were allowed to be free ranging and therefore could actively protect the flock. So the losses were actually 70% with free ranging livestock guarding dogs, 70% less. And another key point was that at flocks protected with free ranging livestock guarding dogs, there were no major surplus killing events recorded. Because you see on the left at the other flocks without dogs or with just chained up dogs, they lost up to 35 sheep in a single season, whereas at flocks with the dogs, the maximum was 5. Now I'm getting towards the end. I just wanted then to mention or to examine, is there any evidence that shooting wolves, that this wolf hunting reduces damage? So here I've plotted for the period 1997 to 2019 in Liptovský Mikuláš district. So this is part of this is the region where we do the genetic monitoring that I mentioned before. So this is a plot of wolf numbers as reported by hunters compared to damage to livestock as reported. And as you can see, there's no clear correlation there. What we would expect if more wolves meant more damage is a clear positive correlation. So a line from the bottom left to the top right, but we're not really seeing that. And then in the second graph, so here I've plotted numbers of wolves shot per year, which varied a lot. You know, some years more wolves were shot, some years less. And I compared that to damage to livestock in the following season. So in this case, if shooting wolves was an effective method of reducing damage, we would expect to see a negative correlation, so i.e. A line sloping from the top left to the bottom right. So more shot wolves leading to less damage. But we don't see that. And in fact, we're even seeing slightly the opposite. The years in which more wolves were shot were or tended to be followed by years with more damage to livestock. So I'll conclude with some thoughts about what lessons could be learned from Slovakia, and responding to the title of the conference, Is the Grass Greener Here? I would say the impact of wolves on livestock depends on the context. You know, have wolves recently returned or are they fully established? What prevention measures are used and so on? Our experience in Slovakia has been that it's possible to have wolves permanently in an area without having high levels of damage. If there are if there's abundant wild prey, so they're not compelled to prey on livestock, and also if adequate prevention measures are used. But we found that livestock guarding dogs, electric fences and other measures reduce damage substantially if they're properly applied, and they also need to be well maintained. It's not enough just to implement them initially and then leave them. No, you have to ensure that they continue working well. But these kinds of technical fixes don't necessarily solve complex social conflicts. Now, people still may disagree
Some people may be in favor of wolf hunting, regardless of whether or not it has an impact on damage, whereas other people may be fundamentally against it, whatever the reason for it. Shooting wolves, as we've seen in our area, does not necessarily reduce damage. And on the other hand, the flexibility provided by having the wolf in Annex 5 of the Habitats Directive doesn't prevent conflicts necessarily between different groups of people who have different views and different values. Again, our experience here through these working groups and set up after the EU intervention, our experience has been that dialogue and negotiation can achieve progress in reconciling those contrasting world views. But this can be undone by politics and power dynamics if people are not willing to compromise. In terms of this change to strict protection in Slovakia, I think it's still too early to evaluate how that plays out. We had one full season last winter without any legal wolf hunting. This winter will be the second one. Presumably, the population will continue to expand, perhaps at a faster rate now that hunting pressure is released. And as wolves recolonize new areas, or new areas in recent times, we might see increased damage in those areas. And hunters and wildlife managers have expressed concern that if there's no scope to control the wolf population through this traditional approach of hunting, then the result could be increased poaching and social conflicts in rural areas. But we will see. Thank you, Robin. We've got... We've just got time for one or two questions, no more, unfortunately. Somebody's asking the question about the link between the lower numbers of shooting and the evolution of the population. What's the link? Well, our ability to analyze that is compromised by this problem that until recently, the monitoring has not been, monitoring of the population has not been state of the art, let's say. But I think it's clear from the data that we have, so those official figures and this more detailed but smaller geographical scale monitoring that we've been doing. So as hunting pressure has been released, then this has allowed the population to grow at a faster rate. If hunting is stopped, will there be permits, occasional permits, authorized? Yeah, as far as I know, it's for protection. Yes, as far as I know, this has not been done yet. But the current leadership of the Ministry of Environment and the State Nature Conservancy have talked about that. So I think what they want to do is move to something like a derogation system, as if the wolf was in Annex 4, even though it's in Annex 5. Thank you very much. We have to move on to the last talk now. We're running a little bit late. Okay. Out for you, Robin, if you want to answer directly. Thank you very much. Thank you.
Pour la dernière présentation, on va revenir en France et plus précisément dans le Mercantour. Je vais vous laisser vous présenter. Merci. Alors, après ce tour d'Europe, on va revenir bien ici, dans le Mercantour. Donc, je me présente. Moi, je suis Nathalie Siffert, je suis chef du service connaissance et gestion du patrimoine. Et on va faire cette présentation à deux voix avec Rachel Berzins, qui est là et qui, elle, est la chef de projet du programme LIFE pour le Parc National. Donc, on va le faire à deux voix et on va vous faire une petite rétrospective de comment ce retour s'est passé chez nous, sachant que ni Rachel ni moi n'y étions. Donc, il y aura quand même des limites à ce qu'on pourra vous dire. Et puis avant, quand même, on va vous présenter hyper rapidement le Parc National. Du coup, il faut dire next, c'est ça, pour passer les diapos. Bon, une petite carte du territoire, on est dans l'extrême nord, là, vous voyez, du parc. Non, ça c'est trop vite quand même. Voilà, donc là on est en Ubaye, dans l'extrême nord du parc. Vous voyez cette forme tout en longueur avec la zone cœur, l'aire d'adhésion. On est à l'extrême sud de la France, vous voyez, vous êtes ici, donc pas loin de la Côte d'Azur. On est frontalier avec l'Italie, on a un partenariat, bon, je ne le répète pas, très fort avec le parc alpin maritime depuis très longtemps, ce qui explique aussi notre travail avec eux dans le cadre de ce LIFE. On est très près de la mer. Il y a deux départements, donc les Alpes de Haute-Provence ici et les Alpes maritimes, donc dans le secteur plus au sud avec sa capitale Nice. 28 communes sur le territoire du parc, une zone cœur de 679 km² entourée d'une aire d'adhésion des communes. J'expliquerai un petit peu plus après comment ça fonctionne sur un parc national français après, donc une zone de plus de 1000 km² qui entoure cette zone cœur qui est la zone protégée. Et l'altitude maximum, c'est à peu près 3100 mètres, donc c'est quand même un territoire de haute montagne, mais qui, avec un delta d'altitude qui est très important. Next. Donc, je vous ai mis quelques photos quand même des vallées. On va pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous allez voir ici en Ubaye, qui est très, très beau, c'est très différent de ce que vous verrez ailleurs. C'est vraiment un territoire qui est remarquable par les différences de climat, de météo, de géologie, d'altitude. On est vraiment à la croisée du monde alpin, du monde méditerranéen, avec des influences multiples et des géologies complexes. Donc là, c'est peut-être là où on va aller cet après-midi. Vous avez la vallée de l'Ubaye avec ses grandes vallées glaciaires en auge, très ouvertes. Au milieu, en haut, vous avez le lac d'Alos, donc la vallée du Haut-Verdon aussi, qui est avec ce grand lac qui est le plus haut des Alpes, il me semble. On ne voit pas bien le rouge, mais à la droite, c'est les gorges de Daluis, donc c'est une zone de pélite, donc c'est une zone de grès avec des gorges. Vous voyez que c'est très, très différent, c'est la vallée du Haut-Var. En dessous, donc à gauche, la vallée de la Tinée, donc une très très grande vallée avec des zones de marne, avec des très grands alpages d'ailleurs qui ne sont pas forcément faciles à garder. Il y a beaucoup de sujets dans la vallée de la Tinée. La vallée de la Vésubie, qui est la vallée la plus alpine, où on trouve un peu d'alpinisme encore sur le territoire du parc, avec des zones granitiques et des paysages très, très majestueux. Et là, vous voyez la vallée de la Roya, Roya Bevera, donc le secteur le plus au sud, avec des oliviers. Donc, on est quand même sur des choses très, 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 très différentes. Et tout ça entraîne une biodiversité assez exceptionnelle. Next. Je n'ai pas mis le loup, je me suis dit que vous l'aviez assez vu. Hein. Et puis, nous, au Parc National, on ne travaille pas que sur le loup, loin de là. Donc, on parle d'un hotspot de biodiversité, ce n'est pas nous qui le disons, hein. c'est l'UICN sur ce territoire, avec beaucoup d'espèces de plantes, vous voyez plus de 9000 espèces animales aussi, et beaucoup d'espèces endémiques qu'on ne trouvera que là. Donc, notamment elle, la fritillaire de Mogrich, qui est une fritillaire, une plante très jolie, qui n'est que sur le territoire du parc, des deux côtés de la frontière, elle est aussi côté italienne. Le Spellerpes, qui est un tout petit, ça ressemble à une salamande, c'est pas une salamande, mais c'est aussi une espèce qui n'est présente qu'ici. Et vous voyez qu'on a à la fois des espèces blanches comme le lièvre variable, mais aussi des espèces qui sont beaucoup plus méditerranéennes. Enfin voilà, une diversité quand même très très rare avec beaucoup d'espèces endémiques. Donc une très grosse responsabilité pour le parc aussi pour protéger toutes ces espèces, parce que si elles disparaissent de ces endroits, elles disparaissent du monde entier.
Donc une grosse pression sur nos épaules quand même. Voilà, très rapidement. Next. Alors, un parc national français, ce n'est pas un parc national comme il peut y en avoir aux États-Unis, donc des territoires vides d'hommes, c'est un territoire où il y a plein de monde. Donc, sur le territoire du parc, il y a quand même 150 000 moutons, à peu près. Bon, donc, c'est quand même un territoire très pastoral, principalement transhumant. Dans les vallées les plus au sud, quand même, sur la Roya que je vous ai montré, sur la Vésubie, on peut avoir des troupeaux locaux qui sont là toute l'année. Donc, ça veut dire aussi des attaques toute l'année et ça veut dire une pression pour les éleveurs toute l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ils rentrent et où ça se tasse. Ils vivent ça toute l'année. Mais quand même, sur les vallées les plus au nord, c'est de la transhumance. On a un petit peu de bovins, surtout en Vésubie, mais c'est quand même un territoire très ovin. Un territoire de randonnée, donc j'ai mis quelqu'un qui se promène, des villages, vous voyez, là, c'est Saint-Sauveur-sur-Tinée, des gens qui vont à l'école, des gens qui font faire des travaux forestiers, il y a de l'exploitation de bois un petit peu aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent autour de ce cœur. Donc, nous, l'objectif d'un parc national français, c'est à la fois de protéger la biodiversité du cœur, de permettre les activités humaines, quelles qu'elles soient. Et bon, ben voilà, quand on veut à la fois avoir de la randonnée, des troupeaux protégés, le loup qui vit sa vie aussi ici, ben voilà, on essaye de faire comme on peut avec tout ça. Next. Alors pour ça, on a une charte. C'est un outil français qui a été mis en place pour justement permettre aux territoires de s'approprier ce parc national qui a été créé il y a un petit peu plus de 40 ans maintenant, en ayant un projet commun, un projet collectif, un projet à la fois pour la zone cœur. Donc, comment veut-on protéger le cœur, qui est l'espace réglementé, et comment veut-on dans la zone d'adhésion, c'est la zone périphérique, on l'appelle aussi, mettre en place un développement durable et que le cœur puisse bénéficier à toute cette vie qui se passe, cette vie humaine qui se passe autour du territoire du cœur, aussi dans le cœur, mais quand même les gens vivent majoritairement autour du cœur. Donc voilà, cette charte, elle a été globalement bien adoptée par le territoire, elle a fait l'objet de beaucoup de discussions quand même. C'est pas toujours simple, il n'y a pas qu'avec le pastoralisme que c'est pas simple. Quelle exploitation forestière on fait dans un parc national aussi, comment on préserve la biodiversité forestière, c'est des sujets qu'on traite au quotidien et on essaye toujours de trouver une réponse mesurée et la charte nous aide à ça, c'est notre guide. Next. Et le retour du loup, je vais passer la parole à Rachel, parce que du coup, c'est elle qui a fait pas mal de spéléo pour nous retrouver un maximum d'informations. Elle a été recherchée des vieux documents, parce que, comme je vous disais, nous, on n'était pas là, ni elle ni moi, mais on a essayé de vous trouver vraiment le plus d'informations sur ce retour du loup qui s'est fait donc, dans les années 90. Là, voilà, après, on pourra discuter exactement du premier loup, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Mais voilà, on va vous brosser ce portrait-là, et après, je reprendrai la parole pour vous expliquer ce qu'on essaye de faire maintenant. Voilà, donc, comme le disait Nathalie, je me suis replongée dans les archives et bon, ça c'est quelque chose qui est déjà très connu. En fait, la première observation de loup a été faite dans le parc national en novembre 92 par des gardes-moniteurs qui faisaient des croutages d'ongulés. Et en fait, on en a informé le ministère et l'information a été gardée confidentielle pendant les 6 premiers mois suite à son retour. Et pour en fait certifier que l'espèce était bien observée, n'était pas des chiens errants, parce qu'en fait à l'époque il y en avait quand même quelques-uns, pour pouvoir assurer sa protection au niveau d'un décret interministériel en juillet 93, et enfin pour préparer aussi bien sûr un protocole en cas de déprédation suite à l'arrivée de ces loups. Et donc, il y a eu un suivi intensif pendant l'hiver 92-93. Et on avait eu également des échanges avec nos collègues italiens qui pressentaient en fait l'arrivée du loup, vu qu'il était déjà présent sur la commune près de Gênes, à l'ouest de l'Italie. Suivante. Et donc, c'est en avril 93 que le loup a été officiellement déclaré de retour en France par un magazine français qui était Terre Sauvage à l'époque. Et ils ont un peu coiffé au poteau le ministère de l'Environnement qui souhaitait à la base faire cette déclaration un peu plus tard.
Et donc, c'est vrai que le souci, c'est que ces 6 mois de silence, en fait, ont donné naissance à une rumeur comme quoi le loup avait peut-être été réintroduit, peut-être par le parc. Et en fait, on a eu une commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu 10 ans après, en 2003, et qui a écarté l'hypothèse d'une réintroduction sauvage par le parc, notamment, mais aussi quiconque que ce soit, c'est un retour naturel qui a été démontré, sans aucun doute. Par contre, le doute, il reste gravé dans la mémoire des habitants, des éleveurs, etc., parce qu'en fait, on a eu une communication qui n'a pas été forcément très bonne par rapport à ce retour, et on en paye un peu encore les pots cassés aujourd'hui. Donc, et c'est vrai que ce silence donne à l'impression aux éleveurs que le gouvernement, en fait, n'a pas pris en cause les conséquences qui, suite au retour du loup. Donc voilà, donc là, on est arrivé en avril 1993 et en fait, on se rend compte que toutes les actions qui ont été mises en place dès son retour sont encore aujourd'hui d'actualité à travers les différents programmes qui sont succédés. Et en fait, quand même, le gouvernement a toujours voulu concilier en fait, l'activité pastorale et la conservation de l'espèce. Suivant. Et donc, en fait, j'ai retrouvé dans ces archives les premiers suivis qui ont été faits. Donc là, vous avez des extraits de rapports qui montrent en fait les premiers suivis. Donc, c'est bien sûr via les indices de présence indirects qui sont observés, parfois des observations directes, mais qui étaient très rares à l'époque. Et donc, bien sûr, comme on le fait encore aujourd'hui, hein, c'est des traces qu'on suit dans la neige, c'est la récolte de crottes et d'urine sur la neige notamment, et aussi la récupération des carcasses d'ongulés sauvages. Et c'est vrai qu'au début des années 90, c'est surtout le mouflon qui a un peu pâti du retour du loup. Et donc, on a recruté une personne, un garde-moniteur, qui, au début des années 94, de l'année 94, a mis en place le premier suivi intensif de suivi du loup dans la vallée de Molière pendant 5 hivers consécutifs. Et donc là, vous avez la première photo de loup qui a été prise en France d'une meute de 5 individus, si vous arrivez à distinguer de gauche à droite. Voilà, ce qui a été prise par Gérard Milichère, qui était donc la personne qui avait fait ces 5 hivers. Suivante. Et donc, voilà, le ministère nous a demandé d'essayer de structurer un petit peu ce réseau d'observation. Et donc, on a créé le premier qu'on a appelé le réseau loup, qui a été géré par le PNM au démarrage. Et en fait, on s'était basé sur les connaissances déjà existantes du réseau Lynx qui était mené par l'ONC. À l'époque, c'était l'OFB. Enfin, pardon, c'est l'ONC à l'époque. Et aujourd'hui, c'est l'OFB. Et donc, en 1997, avec l'expansion du loup au nord du département, c'est l'ONC qui a repris la relève par rapport à ce réseau de correspondants. Et aujourd'hui, on a 4000 personnes qui sont formées pour détecter ces signes de présence de lynx et de loup et qui ont rejoint en fait, ce gros réseau d'observateurs qui permet justement d'estimer l'état de la population de ces deux espèces-là. Et donc là, en fait, on voit qu'on a fait des progrès en termes de représentation cartographique. C'est une des premières cartes qu'on a trouvées dans un rapport avec les domaines vitaux supposés en tout cas des meutes qui s'étaient installées dans le Mercantour. Donc là, on a 4 ou 5 meutes. À l'époque, on avait estimé leurs domaines vitaux à peu près entre 200 et 240 km². Et aujourd'hui, on essaye encore difficilement de délimiter ces territoires. Parce qu'en fait, c'est très compliqué en fait, à savoir. Donc, finalement, on parle plus de zones de présence permanente avec des ronds, puisqu'en fait, c'est très, très compliqué d'avoir la taille des domaines vitaux aujourd'hui. Et donc, qui dit loup dit aussi les premiers constats à faire. Donc, on a recruté un vétérinaire en 1994 qui a été le premier à mettre en place les procédures de constat de dommages. Qui sont encore aujourd'hui utilisés, qui bien sûr ont été améliorés améliorés. En tout cas, c'est toujours sur les mêmes bases pour essayer de déterminer si oui ou non c'est un loup qui a tué l'animal ou pas. Et donc, de 99 à 2003, le parc a recruté 2 personnes à temps plein pour couvrir tout le territoire du parc pour faire ces constats de dommages. On a commencé bien sûr avec la progression du loup et l'augmentation des constats à faire.
on a commencé à recruter des vacataires. Et aujourd'hui, en fait, depuis 2013, on a un réseau de vacataires. Je crois que c'est le seul parc qui fonctionne de cette façon-là. On n'a que des vacataires qui sont des habitants des vallées qui ont été formés au fur et à mesure et qui aujourd'hui sont, font un travail énorme, puisqu'en fait, ils s'occupent de toutes les constats qui ont lieu dans le parc. C'est un système qui est assez fragile, mais qui est efficace parce qu'en fait, on compte sur quelques personnes qui sont dédiées en fait à ce travail-là et qui ont des activités par ailleurs. Et c'est vrai que ça coûte à peu près 100 000 euros par an au parc pour payer ces personnes. Suivante. Et donc, pour vous donner un peu un nombre de constats qui sont réalisés dans le cadre du parc. Donc là, en rouge, vous avez la courbe qui correspond au nombre de victimes et en bleu, le nombre de dommages réalisés. Et en fait, on voit que dans le département des Alpes-Maritimes, totalise 17% des victimes à l'échelle nationale. Et en fait, par rapport au nombre de constats qui sont faits dans l'enceinte du parc, on est à 10% du nombre de constats qui sont faits à l'échelle nationale. Donc, ça représente à peu près en moyenne 450 constats de dommages qui sont réalisés dans le parc par 7 personnes. Et ils ont quand même leur activité qui est concentrée au mois de juillet, quand on a aussi les transhumants qui sont présents sur le territoire. Et c'est vrai que en dehors du parc, ce sont souvent les agents de l'OFB qui font ces constats de dommages. Suivante. Et donc, on a aussi dû mettre en place les premières mesures de protection, puisqu'en fait, le loup a commencé à attaquer les troupeaux. Et donc, le parc a aidé, comme il pouvait à l'époque, à trouver des financements pour mettre en place les premières mesures de protection, en travaillant avec les institutions agricoles de l'époque, je ne vais pas vous les reciter. Et donc, j'ai retrouvé aussi un graphique qui représente un peu les différents chiens de protection qui ont été mis en place au fur et à mesure sur le territoire. Donc, en fait, il y en avait quelques-uns. Donc, d'après ce que j'ai lu, c'était certains éleveurs qui s'étaient déjà équipés de chiens de protection pour lutter contre les chiens divagants qui attaqueraient les troupeaux. Mais après, ça s'est, on va dire, ça s'est pas démocratisé, mais en tout cas, de plus en plus d'éleveurs ont pris des chiens de protection pour protéger leurs troupeaux. Et c'est vrai qu'au début, c'était eux qui devaient financer par eux-mêmes ces chiens. Et par la suite, on a eu deux programmes LIFE de 97 à 2003 qui a permis en fait, de mettre en place d'autres mesures de protection, notamment tout ce qui est parc de nuit, des bergers d'appui et aussi des cabanes pastorales. Une quinzaine avait été financée par le LIFE et avait été répartie sur l'ensemble du territoire. Et donc, en 2004, le premier plan national d'action a été lancé. Et donc, il y a les financements aussi qui ont suivi pour pouvoir aider les éleveurs à pouvoir se protéger avec les mesures de protection existantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le parc, on a tous les éleveurs qui sont protégés par 2, voire 3 mesures de protection. Et donc, bien sûr, il fallait aussi communiquer par rapport à l'arrivée du loup. Donc, je reviens dans les années 93. Et donc, on a fait des réunions avec les personnes locales, que ce soit des éleveurs, mais aussi des professionnels du tourisme, bien sûr, les élus locaux, pour essayer d'informer sur comment faire avec l'arrivée du loup qui n'était pas prévu au programme. Et donc, on a aussi fait des interventions dans les classes. On a commencé aussi à former les gardes-moniteurs du parc pour faire les autopsies, etc. Et on a aussi, bien sûr, été voir les éleveurs un par un dès qu'il y avait une attaque, parce que ça, c'est ce qui nous semble le plus important, c'est qu'il fallait les aider pour leur apporter des informations sur comment gérer cette arrivée du loup sur leurs alpages et essayer de les aider à adapter leurs pratiques à l'arrivée du prédateur. Suivant, s'il te plaît. Et donc, c'est aussi dans le parc du Mercantour qu'a eu lieu le premier programme PPP, qui est aussi un programme qui a été mis en place aujourd'hui par le LIFE dans différents pays. Et donc, le but était d'évaluer en fait quel était le rôle de la prédation du loup sur les ongulés sauvages dans les Alpes. Et le but, c'était de comparer deux massifs, donc le massif des Bauges qui est au nord, qui avait une présence irrégulière du loup, et le parc qui était le foyer historique de présence de l'espèce. Et on avait déjà des ongulés qui étaient équipés ou marqués. Et ça nous a permis de démarrer ce programme-là. Et il était aussi question de capturer des loups pour les suivre avec des GPS
et pour pouvoir aussi également trouver les proies de ces individus si jamais il y avait une attaque. Suivante. Donc au total, il y a 4 loups qui ont été capturés au cours du programme de 2009 à 2011 avec des durées de suivi relativement variables, hein, allant de 3 mois à 1 an. On a équipé 314 ongulés, soit de colliers VHF, majoritairement des chamois et des chevreuils. Et donc cette étude qui a duré 10 ans, elle nous a permis de mieux comprendre toutes les relations entre le prédateur et les proies. Mais bon, ça a été un programme assez compliqué. Je pense que Christophe, tu pourras mieux en parler que nous. Mais ça a été vraiment un gros challenge pour le mettre en œuvre. Après, ça a été fructueux quand même. Suivant, s'il te plaît. Et donc, il faut bien sûr que je parle quand même de Gérard Minicher, qui a été la première personne à utiliser en fait une caméra infrarouge. C'est un équipement militaire qui a permis de faire les premiers films de troupeaux la nuit et de ce qui se passait en fait au cours de la nuit. Justement, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et il a fait les premières vidéos de loups à l'été 2000. Et la suivante en 2004, et de ces observations sont sorties 2 DVD qui font un peu justement les différents types d'interactions qu'on a pu observer entre le loup et les chiens de protection notamment, et aussi un DVD sur des témoignages d'éleveurs sur leur ressenti par rapport à l'arrivée de l'espèce sur le territoire. Et je crois que je passe la parole à Nathalie. Merci Rachel. Alors maintenant, parce que maintenant, on est toujours en plein dedans, hein, c'est clair. Maintenant, on s'appuie beaucoup sur une commission qui s'appelle la Commission Agriculture Durable, qui a été mise en place au moment de la charte pour la construire ensemble et qui perdure encore actuellement et qui est coprésidée par le président de la Chambre d'Agriculture et dans lesquelles sont très présents et très mobilisés les éleveurs. Donc, ce qu'on s'est dit dans cette commission, c'est que nous, on allait écouter. Donc, on a dit aux éleveurs, voilà, le loup est là, notre mission, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qui est problématique? Et de cette discussion est sorti un certain nombre d'informations disant, voilà, les priorités sont là, là, là et là. Et nous, ensuite, on a essayé de les mettre en place en fonction des moyens dont on disposait. C'est vraiment une chambre de discussion où on partage, on discute, des fois on n'est pas d'accord, mais enfin en tout cas, elle est importante pour nous, elle est importante pour les éleveurs et elle vit. Je crois que c'est de toutes les commissions que le parc a mis en place, la commission agriculture durable est celle qui vit le plus. Et donc du coup, qu'est-ce qui est sorti de toutes ces discussions avec les éleveurs? Alors, ce qui est vraiment sorti en premier, c'est les cabanes pastorales. Ce que nous ont dit les éleveurs, c'est on veut, les éleveurs et les bergers, hein, c'est on veut pouvoir travailler dans des conditions correctes. Les cabanes pastorales, surtout dans le sud des Alpes, sont particulièrement dégradées. Donc, si vous devez nous aider, travaillez sur les cabanes. C'est ce qu'on a fait. Donc, dans un premier temps, on a fait, vous voyez la carte au-dessus, tout un bilan des cabanes pour savoir lesquelles étaient dégradées, lesquelles étaient dégradées, sur lesquelles il fallait travailler en priorité. Et ensuite, le parc s'est donné les moyens, avec l'aide du département des Alpes-Maritimes, en l'occurrence, d'embaucher une architecte qui a été voir les communes, parce que les alpages sont majoritairement communaux sur le territoire du parc. Donc, ça veut dire que la responsabilité appartient aux communes, hein, de rénover ces cabanes pastorales. Donc, on a été voir les communes, on leur a proposé de monter le dossier pour eux, le dossier FEADER, de préparer même des plans pour les cabanes et de leur donner. C'était quasiment du clé en main, il n'y avait plus qu'à signer. Et un certain nombre de cas ont été traités grâce à ça, même s'il reste encore des problématiques, parce que pour certaines communes, ou elles ne le voient pas comme une priorité, ou elles n'en ont pas les moyens, parce qu'il reste quand même un autofinancement et des fonds à investir en priorité. Mais on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les cabanes et on a pu en faire sortir de terre ou en rénover certaines. Ça, c'était vraiment la première chose. Ensuite, ce qu'ils nous ont dit, c'est hyper compliqué pour les bergers quand la prédation est là, quand elle est susceptible d'être là et quand il faudrait pouvoir se reposer, c'est-à-dire avoir une sorte de répit. Donc, on a mis en place au départ ce qu'on appelait le berger mobile, c'est-à-dire que c'est le service de remplacement agricole qui a embauché un berger qui était là pour tout l'été et qui était mis à disposition
des éleveurs pour 5 jours, voire 10 jours, en disant, ben voilà, le berger a besoin de se reposer, donc on appelle le berger mobile, il garde le troupeau en complément ou à la place du berger, et ça lui permet de se reposer. Ça a moyennement fonctionné. Ça a moyennement fonctionné parce que ça veut dire qu'il faut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Déjà, nous, on a eu beaucoup de mal à recruter le bon berger, parce que ça, je ne vais pas vous apprendre que c'est difficile de trouver des bons bergers pour tout le monde. Donc, on a eu du mal, on en a essayé 2 différents. Et on est retourné vers les éleveurs parce qu'on fait aussi des réunions bilan de fin d'estive avec les éleveurs en disant, bon, ça n'a pas super bien marché, pourquoi ça n'a pas super bien marché? Ça n'a pas bien marché parce qu'on ne fait pas confiance. Bah oui, ça se comprend, c'est ses bêtes, c'est son troupeau. Donc, de donner les clés à quelqu'un comme ça, ce n'est pas évident. Donc, pareil, ben, c'était le premier test. On a changé notre manière de faire. Et maintenant, on travaille avec le service de remplacement qui fait toujours le contrat du berger. Mais c'est l'éleveur qui choisit, qui dit, voilà, cette personne pourrait m'aider. Voilà, elle appelle le service de remplacement. Le service de remplacement fait le contrat. Et ça permet à l'éleveur d'être en confiance. Alors, pardon, désolé. C'est facile pour moi, je suis dans ma langue maternelle, c'est sûr. Donc ça marche mieux, c'est pas la panacée, parce que si les éleveurs ont du mal à recruter leurs propres bergers pour l'été, ça veut dire qu'ils ont aussi des difficultés à trouver 4 minutes alors je vais aller vite à trouver ah oui, bah alors ça va pas, ça c'est l'injonction contradictoire. Ils ont aussi des difficultés à trouver des bergers de remplacement. On l'a mis en place, ça monte en puissance, mais ça reste quelque chose de difficile à mettre en œuvre. On a mis en place également ce qu'on appelle des médiateurs pastoraux, qui peuvent aussi être appelés des maraudeurs, dont l'objectif est de faciliter la cohabitation avec les touristes et les chiens de protection. Je ne rentre pas dans le détail, tout le monde connaît le problème, mais aussi de faire du lien avec les bergers qui sont souvent quand même très loin et très seuls en estive. Donc, ils ont cette double mission. Voilà, est-ce qu'il y en a une dernière? Non, je ne pense pas. Pour finir, donc, ce programme, le travail du parc sur ces questions-là, il se fait au travers le LIFE. Donc, on a besoin des moyens du LIFE, qui est d'ailleurs cofinancé par la Fondation Albert II de Monaco aussi, parce que c'est quand même des gros moyens pour le parc. Il se fait à travers le plan national d'action aussi, Loup, qui finance une partie des actions, mais pour réussir à mettre tout, puis le financement du parc aussi, hein, mais pour réussir à mettre tout ça en œuvre, on est obligé d'aller taper à plusieurs portes et pour réussir à trouver les moyens de travailler ici. Il y en a quand même encore une après, non ? On ne parle pas du tout du travail sur les foyers. Je vais quand même dire un mot. On travaille aussi sur les foyers d'attaque depuis cette année. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est dans la salle sur les éleveurs qui sont d'accord pour qu'on vienne essayer de comprendre ce qui se passe chez eux et leur trouver des solutions. Une équipe qui vient la nuit, 2 jours, pose de pièges photo, caméra thermique, essayer de comprendre ce qui se passe. Ça démarre. Voilà, on va voir si ça nous apporte des solutions. En tout cas, c'est vraiment l'objectif d'apporter des solutions concrètes sur le terrain avec les moyens et nos capacités. On n'est pas éleveur et la solution, elle n'est jamais simple. Donc, en conclusion, on peut dire quand même que le rôle d'une aire protégée, elle n'est pas simple. On est un peu entre le marteau et l'enclume. À la fois protéger la faune sauvage d'une manière générale, la faune et la flore, et en même temps permettre la cohabitation avec les activités humaines, ce n'est pas forcément simple. Petit à petit, on arrive quand même à créer des liens solides avec la profession agricole qui nous permettent de travailler ensemble. Alors, il y a des hauts et des bas, mais globalement, ça progresse. C'est vraiment la chose la plus importante, de réussir à jamais perdre le lien et la discussion. Parce que même au bout de 30 ans, ça reste hyper compliqué. Ça n'est jamais gagné, la confiance, mais on essaye de la construire petit à petit et surtout d'être vraiment très humble par rapport à la situation sur ce qu'on peut apporter. Elle n'est pas facile, mais si ce n'est apporter que du confort, c'est déjà du confort par rapport aux cabanes pastorales. On est vraiment dans cette logique-là d'y aller petit à petit et de trouver les solutions qui sont à notre portée, qui ne sont pas toutes à notre portée. Je vous propose de passer directement aux questions. J'ai une question à la salle. Alors, quelques précisions sur le retour du loup. En 89, le loup de Fontan, c'est un loup, vous n'en avez pas parlé, mais c'était bien dans le parc.
Et en tout cas, c'est un loup balte. L'OFB n'a jamais fait d'analyse dessus, mais c'est un loup balte. France Inter aussi a refait une recherche. Il a trouvé un loup qui avait été réintroduit aussi. C'était la parenthèse. Et les premiers loups aussi, en 91, c'est aussi au camp de Cangers, le camp militaire. Vous n'en avez pas parlé. Bon, c'était la parenthèse. Malgré ces moyens d'aide aux éleveurs, comment qu'ils le prennent, même si ils subissent la prédation avec un petit peu plus de confort, est-ce que l'acceptabilité est mieux ou pas, même s'ils ont une prédation entre guillemets confort? Alors, j'ai pas dit qu'il y avait une prédation confort. Ce que j'ai dit, c'est qu'on mettait en place les solutions qui étaient dans ce qu'on pouvait faire. Avoir une cabane pastorale pour se reposer dans de bonnes conditions et avoir du confort dans son logement, c'est un mieux. Je n'ai pas dit que c'était de la prédation confort. Et comment ils le prennent, je pense qu'ils voient les efforts qu'on fait pour essayer de les aider, mais ça ne règle pas tout. Donc, on n'a certainement pas l'impression d'avoir la baguette magique en disant « Vous voyez, on vous a donné un peu d'aide, mais ça va mieux ». Ça reste très compliqué. On en parlait hier soir. On est quand même sur une courbe en cloche. Hein. On a des situations où il y a peu ou pas d'attaques. Ceux-là, on ne les connaît pas. On a beaucoup de situations où il y a la majorité quelques attaques. Donc, c'est dur. Mais je n'ose même pas dire que c'est gérable. Mais en tout cas, c'est difficile. Mais ils ont quelques attaques. Donc, voilà. Et on en a quelques-uns qui ont énormément d'attaques pour des raisons diverses, mais qui sont des hotspots qui se reproduisent d'année en année. Ça, c'est une réalité, et c'est vers ces gens-là qu'on veut aller en priorité. C'est vers ces gens-là qu'on est allé cette année. On a fait deux sites vraiment et un site où on est passé. On s'est rendu compte que dans les trois cas, c'était des choses très différentes. Donc là, pareil, on ne peut pas faire de raccourcis, mais ils le prennent difficilement, comme tout éleveur qui subit de la prédation. Ce qu'on fait peut aider, va pouvoir peut-être régler à certains endroits certaines situations ponctuelles, mais on ne va pas trouver la recette magique et ils ne vont pas nous dire « c'est merveilleux ce que vous avez fait ». On n'est pas naïf. Alors, une question sur le chat venue de l'étranger. Quelle est la position du parc sur les tirs sélectifs de loups et est-ce que c'est autorisé à l'intérieur du parc pour les gens qui ne connaissent pas la législation? Alors, le parc est un établissement public, donc du coup, il a la position la même que l'État sur les tirs. Donc, on n'a pas à se prononcer et puis c'est l'État qui prend la décision et on la respecte. Maintenant, dans le cœur du parc, il n'y a aucun tir possible, aucun tir de défense dans le cœur. Dans l'aire d'adhésion, oui, il y en a beaucoup, mais pas dans le cœur. Par contre, ce qu'on a, et ça, là, c'est le parc qui a milité pour ça, on a milité pour que les remboursements soient à 100% en cœur de parc, notamment pour les mesures de protection, pour les aides-bergers, justement parce que s'il y a un moyen dont les éleveurs ne disposent pas, c'est le tir en cœur. Est-ce que vous avez l'estimation du nombre de meutes présentes dans le parc? C'est l'estimation qui est faite par l'OFB. Hein. C'est quoi? C'est entre 8 et 10, oui, c'est ça. Oui. En fonction de si on compte l'arche ou pas. On a encore... Je vais vous passer le micro, une question à la salle. I have a few questions about the cabins. The first is how much does it cost, the transportation and the building of one. The second is if you remove the cabin during the winter time or does it stay in the mountains all the time? That's it. Maybe another one. How do you pick the farmers, the breeders, which are good, or how do you choose the breeders which they get the cabin? Alors vous avez vu, il y avait une carte où on voyait les priorités. Les priorités d'action sur les cabanes, donc celles qui étaient objectivement le plus dégradées. Donc, on a des personnes qui sont passées partout et qui ont regardé le niveau de dégradation des cabanes. Donc, d'abord, on a travaillé sur les zones rouges.
prioritaire. La majorité, c'est des cabanes qui existent. Hein. Ce n'est pas des cabanes qu'on enlève ou qu'on met. Alors, on en a deux, une ou deux comme ça qu'on peut mettre, mais c'est des cabanes temporaires, parce que là aussi, ce que nous disent les bergers et les éleveurs, c'est que c'est quand même des solutions très précaires, les toutes petites cabanes mobiles. Donc, du coup, on les a éventuellement quand il y a des travaux sur des cabanes à restaurer, donc des choses temporaires. Mais globalement, nous, c'est plutôt des cabanes en dur qui ont vocation à rester. Et combien ça coûte ? Alors, il y avait le avant... la crise, c'était déjà très cher puisqu'on était quand même aux alentours de 90-100 000 euros, hein, ça dépend. En plus, ça peut être des rénovations de cabanes existantes, donc ça peut coûter parfois, les prix sont différents. Et maintenant, c'est clair qu'on est très inquiet parce qu'on pense qu'on va aller, ça va aller au-delà des 100 000 euros avec la crise sur l'énergie, les matériaux. Donc c'est des gros investissements pour les communes. Alors, une autre question sur le chat concerne l'influence de l'abondance des ongulés sauvages sur les attaques de troupeaux. Est-ce qu'on arrive à déterminer si, en fonction de l'abondance des ongulés sauvages, on va avoir moins d'attaques, moins de prédations sur les troupeaux ? Franchement, non. Ce qu'on sait, c'est qu'on a quand même une population d'ongulés sauvages dans le parc qui est très, très abondante. Comme c'est une zone non chassée, on a du chamois beaucoup, beaucoup partout. Non, on n'a aucun signe qui serait intéressant à interpréter. Il y a d'autres questions dans la salle ? Profitez-en, c'est le moment. Non, ah oui, il y a encore une question. Is it correct that you said that you have about 150,000 sheep in the Mercantour Park? Okay, do you have any quotas or goals regarding the population of the sheep in the park, regarding the influence on the habitats within the park? Est-ce qu'il y a une limite au niveau du nombre d'éléments dans le parc par rapport à une limite au nombre maximum qu'il pourrait y avoir par rapport au nombre de moutons dans le parc par rapport à la force? Alors, la limite, en fait, elle est là pour le coup, pas du tout par rapport au loup. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un avis à donner sur les conventions de pâturage qui sont signées entre les éleveurs et les propriétaires, qui sont majoritairement des communes. Et nous, ce qu'on regarde plutôt, c'est la pression de prélèvement de la végétation pour avoir un équilibre entre la pression pastorale, ce qu'on réserve aussi à la faune sauvage pour qu'elle puisse se nourrir et la pratique. Donc, on tient effectivement une pression qui soit acceptable pour tout le monde, mais ce n'est pas par rapport au loup, en fait. Ce n'est pas en lien avec le loup. Alors, exclu du pâturage, on a des zones qui sont mises en défense, notamment des petites zones humides, mais c'est des petites zones. On a des zones de défense aussi, parfois sur les crêtes pour les ongulés sauvages. Donc, oui, ça arrive, mais généralement, ça s'inscrit dans la convention de pâturage et puis c'est discuté. Oui, il y a aussi une réserve intégrale, mais une réserve intégrale sur une zone qui était plus pâturée depuis bien longtemps parce qu'a priori, beaucoup trop compliqué. Donc, il y a une réserve intégrale, oui. On arrive à la conclusion de ces deux journées. Donc, pour commencer, je vais passer la parole à John. Conclusion, c'est un gros mot pour moi. Juste 5 minutes pour clôturer.
Et laisser aussi l'OFB faire quelques remerciements pour les partenaires. On vous a donné quelques signes, tous les intervenants, quelques consignes aux intervenants et à tout le monde d'ailleurs, qui ont été très respectés pendant cette colloque. On voulait remplir cette conférence de discussions, de questions et d'interactions entre les gens. Et je trouve que grâce au respect des consignes par les intervenants et les gens qui posaient les questions, qu'on a à peu près réussi à ça. On a fait un gros effort de donner du temps de parole à tout le monde, un maximum de gens, et j'espère que vous êtes satisfaits de ça, notre façon de faire la modération. J'étais le plus mauvais élève là-dedans parce qu'à des moments, j'ai reçu des consignes de la bande de touche là, de l'OFB d'arrêter les questions, mais j'ai continué quand je voulais parce que je trouvais que c'était intéressant et très important. ça a été très riche, hein. Beaucoup de diversité, beaucoup de richesse. Hein. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ça. J'ai entendu l'objectif de l'OFB de faire un panorama de ce qui se passe dans les pays partenaires. Moi-même, je disais, il faut décrire la diversité pendant ce colloque, et je pense qu'il y a une énorme diversité, et peut-être maintenant qu'il faut commencer à faire un cadrage pour toute cette diversité, pour pouvoir la présenter. Moi, quand j'entends tout ça, et en réfléchissant ce matin à tout ce que j'ai entendu, moi, tout de suite, je me dis, mais un cadrage thématique, ça serait déjà peut-être un premier pas, parce qu'il y a des thématiques qui sont claires, importantes, presque tout, chaque fois utilisées ou discutées dans chaque pays. Il y a surtout ces différences dans les histoires de présence, de dynamique, de taille de population et de nombre de meutes actuelles, la diversité génétique qui est dans les différents pays. Il y a les aspects de protection, bien sûr. Il y a les aspects de dommages et de compensation. Ces deux thématiques-là liées, bien sûr, à la question des tirs. Il y a des thématiques qui émergent un petit peu, pour moi en tout cas, sur l'hybridation, sur les bold wolves. Et puis, il y a surtout ces différences de gouvernance qui sont très importantes. On a entendu à plusieurs reprises entre le national, le régional, et on finit sur le parc national aujourd'hui pour compléter ça. C'est très intéressant. Et enfin, bien sûr, l'importance de la communication, de l'éducation. On a entendu une intervention ce matin, des informations qui sont déjà comparatives, déjà un cadrage sur les perceptions. Donc, continuez peut-être sur ces cadrages, parce que je pense que c'est peut-être une bonne manière de juste être un peu binaire au départ. Qui sait qui fait quoi? Oui, non, dans notre cadrage thématique. Mettre les thématiques et en ligne, mettre les pays, les partenaires, tout le monde qui est impliqué. Oui, non. Sortir le message principal de chaque partenaire sur chacun des thématiques. Et puis, peut-être aussi l'adober d'un petit récit local sur ce point-là. Et Laure a quelques exemples, je pense. Oui, pour compléter ce que vient de dire John, effectivement, on a pu se rendre compte qu'il y a une diversité des situations qui est déjà liée au fait que dans certains pays, le loup n'a jamais vraiment disparu, que dans d'autres pays, il fait son retour. Alors, soit ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, soit c'est très récent. Donc, par exemple, on a vu en Slovénie, le loup est resté présent. La France, on connaît la situation, le loup est revenu, mais ce n'est pas nouveau. Alors que pour l'Autriche, on se rend compte que c'est une situation beaucoup plus récente. Et il y a des dynamiques de population aussi des loups qui varient. Il y a une énorme différence aussi qui concerne, comme l'a bien dit John, la gouvernance. Alors, ce n'est pas lié au loup en lui-même. C'est qu'en France, par exemple, on a un État très centralisé. Quand on se trouve en Allemagne ou en Autriche, ce sont des structures fédérales. Mais concrètement, quand on touche au loup, ça va induire de très grandes différences, par exemple, concernant les aides apportées aux éleveurs pour les moyens de protection ou pour les indemnisations. Et ça, on n'en a pas toujours conscience, qu'on ne sait pas comment ça fonctionne ailleurs. Ce que j'ai retenu aussi, c'est effectivement des grandes différences concernant la perception du loup. On a eu les extrêmes entre l'Autriche,
où il y a quand même une majorité de la population qui est plutôt contre, alors que de l'autre côté, on a la Slovénie où ce n'est pas du tout le cas. Et on a vu aussi des très grandes variations en fonction des groupes de personnes interrogées. Donc, que ce soit les chasseurs, les éleveurs, le grand public, les journalistes, le regard porté sur le loup n'est pas du tout le même. Mais il y a une thématique qui, pour moi, traverse tous les pays, c'est la question de la protection, bien entendu, de l'élevage. C'est quand même un peu un des cœurs du sujet. C'est comment protéger au mieux les troupeaux, les attaques des loups. Et là, on a pu voir que au niveau des moyens de protection, on retrouve à peu près les mêmes partout. Enfin, on a beaucoup parlé des clôtures de protection, des parcs, on a parlé de la présence humaine avec des bergers, on a parlé des chiens de protection. Ensuite, on a pu voir qu'il y a des nuances dans leur mise en œuvre. Et en revanche, concernant les tirs, là aussi, les tirs de défense, en fait, les politiques varient d'un pays à l'autre. Entre, par exemple, la France, on va avoir des tirs, ou l'Italie, où on ne va pas forcément avoir ce cas-là. Donc aussi des choix politiques différents qui sont faits selon les pays. Et dans les similarités, c'est aussi, moi, ce que j'ai entendu, c'est l'importance d'impliquer tout le monde, tous les acteurs concernés, parce que cette nécessité en fait de créer un dialogue qui soit constructif. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en fait, le fait que les gens puissent discuter et aussi la nécessité d'informer, d'être transparent sur les données qu'on a, parce qu'il y a aussi un effort qui est fait dans tous ces pays de suivre les populations du loup au mieux et un travail d'éducation qui est fait. Donc voilà tout ce qu'on a pu retirer de ces deux journées. Pour ma part, je vous remercie encore, effectivement, pour toutes ces questions. C'était très intéressant. Enfin, pour ma part, j'ai appris plein de choses. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Et je vais passer la parole à l'OFB. Merci. Bonjour à tous. Donc, Nolwenn Ogué, je suis chargée de recherche dans un service dédié à la conservation et à la gestion des espèces à enjeux. Et le loup, pour le loup, en tout cas, ces enjeux sont très nombreux, comme on a pu le voir. Donc, un dernier mot de la fin pour remercier toutes les personnes qui ont permis de rendre cette conférence possible aujourd'hui. Donc, en premier, le programme LIFE et ses partenaires, ainsi que les financeurs, donc au niveau de l'Union européenne. En France, nous avons la Fondation François Sommer qui cofinance également le programme, ainsi que la DREAL Aura. Donc, merci à eux pour le financement. Je remercie les intervenants pour la qualité de leur présentation et pour le temps dédié, tant en préparation et qu'en intervention sur ces deux jours. Je remercie les modérateurs, John et Laure, pour votre travail durant ces deux journées. J'appelle à mes côtés, s'ils le veulent bien, toute l'équipe d'organisation. Donc, il y a au niveau du LIFE OFB, Hélène, Ricardo, Sophie également, au niveau du Parc du Mercantour, Rachel, Nathalie. On est très nombreux à avoir travaillé bien sur cette conférence. Également au niveau de l'OFB, Nicolas Jean et Christophe Duchamp, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de réponses dans le chat, mais qui ont nécessité aussi des préparations, donc vous pouvez nous rejoindre. Au niveau de l'équipe LIFE, nous avons Léo, Léa, Clément et Guillaume qui constituent l'unité de prévention de l'équipe LIFE. Donc, vous pouvez nous rejoindre aussi pour tous les temps de préparation. En régie, Jean-Louis. Tu peux nous rejoindre aussi si tu veux. Et toutes les interprètes qu'on ne voit pas. Hein, donc, il y a, je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, il y a Sylvia, Rosana, Thomas, Gabriella, Hilaria, Simona, Andrea, Denise. Nos hôtes, le centre Céolane, la commune de Barcelonnette, et surtout vous, le public sur place et en ligne. Vous avez été environ 300 hier et aussi 300 aujourd'hui à nous suivre. Donc, un grand merci à vous pour ces deux jours.
Bon appétit. Juste des petits messages sur la sortie. Sur la sortie de terrain, le bus, il sera, je ne sais pas où, Léo, en bas d'escalier à 13h15. Normalement, il faudrait, dans le meilleur du monde, qu'on rentre dans le bus pour 13h15.